c'est Sophie, alias Goldorette, et j'ai un blog mode et beauté. Moi, c'est Marie, pour A Day in the World, blog de voyage et aventure. Moi, c'est Becca, pour Back to Basic, lifestyle, événementiel et musique. Bonjour, ben moi, c'est Maguelone, pour le blog Les Chroniques de Myrtille, un blog lifestyle. Bon, alors, on rentre tous de notre journée shopping de Noël, ça a été ? Ouais, cool. Moi, gros souci par contre, hein. J'ai rien trouvé pour les hommes. La cata. T'inquiète même pas. Ouais. Regarde, moi j'ai trouvé 2-3 trucs aujourd'hui. Alors, première chose, Nike Air Max One. Ça, c'est une paire que j'avais, je crois que j'avais 10 ans. Magnifique, vintage. Ouais. Ok. Et avec ça, on peut associer une petite veste que j'ai trouvée chez Levi's. Alors là, on est dans le top du vintage, tu vois. Ouais, années 70. La classique. Bam. Ah, j'adore. Ah ouais, ça c'est top. Petite moumoute. Elle est géniale. Bon. Attends, elle est toute doublée moumoute, quoi. Ouais, ouais, ouais. Coup de cœur. Ah ouais. Coup de cœur. Mais en plus, tu m'as choisi des produits mode et tout. Moi, j'adore. Ah. Je valide. Nickel. Alors, moi, je suis allée chez Dubry dans la cuisine et hop, le coffret sur la route du Rhum. A priori, pour mon père, mais bon, je peux changer en cours de route. C'est une bonne idée, ça. Dans la série Voyage et coffret, j'en ai trouvé un qui est super aussi, en tant que globe-trotteuse. C'est les cafés du monde. Coffret sur les cafés du monde. Tu bois 3 tasses de café, tu fais le tour du monde. Sans passeport. Sans passeport, sans visa. Éthiopie, Mexique, Pérou. C'est une super bonne idée, ça. Et puisqu'on parle voyage aussi, alors je sais pas si vous avez des globe-trotteurs autour de vous. J'ai déniché un super sac chez Superdry. Ah ouais. En tant que globe-trotteur, je peux te dire que ça, il a une matière étanche, super pratique et il en a d'autres couleurs aussi. Vous savez quoi, j'ai trouvé un truc super sympa. Alors c'est chez Michel Dervin. Michel Dervin le coiffeur, ouais. Mais aussi le barbier. Donc un petit bon cadeau pour se faire tailler la barbe. Barbe soyeuse, c'est parfait. Chez Michel Dervin, c'est plutôt pas mal. Par contre, moi j'ai un petit souci, c'est tout ce qui est cadeau enfant. Et je galère. Moi je suis allée à la grande récré. Oh, waouh. Hippoglouton pour toute la famille. Hippoglouton quoi. Génial. Génial. Le classique. C'est bon carrément. Ça. Et puis bah, comme je vais avoir une petite nièce, je me suis dit que ça serait assez sympa un diffuseur d'huiles essentielles. Parce que pour les enfants, on ne met pas les huiles essentielles, parce qu'ils sont en général trop petits. Ouais. Par contre, on peut humidifier la pièce où ils dorment et en même temps, ça sert de veilleuse. C'est hyper là, vous voyez ah, pas, ça c'est clair. Hein. Ça s'allume en fait. D'accord, génial. Donc, ça fait des petits points un peu partout comme des étoiles. C'est ça. Ah ouais, génial. Bah, moi j'ai une idée, mais plus pour les ados, tu vois. Les petits, pas trop, mais plus pour les ados. Et alors ça ? Pourquoi tu m'as regardé quand t'as dit ado ? C'est parce que tu fais jeune en fait. Ah. Enfin, c'est ça, t'as 18 ans, non ? C'est ça ? C'est ça, 19. Ah ouais, c'est ça. Bon bah écoute, en tant qu'adolescent, je pense que ça peut te plaire. Toi. Écouteurs Bluetooth, plutôt pas mal. Mmh. T'as pas de fil, t'écoutes tranquille, tu te fais même pas voir, donc c'est plutôt bien. Beau. Ils sont sympas. Tout le monde en plus. Ouais, la couleur et tout. Mais c'est quoi ça ? Et ça, c'est le brassard qui va avec. Donc t'es ado, mais tu peux aussi être sportif. C'est pour les sportifs, Becca. Ouais, c'est pas trop. Ah bon non, mais attends, je suis un grand sportif. Hein. Ah, mais là, et je m'adresse suis au the sportif. Donc bah écoute, tu mettras ton téléphone dedans, dans le brassard, allez boum, les écouteurs et tu pars pour des kilomètres. Bah pour les ados, justement, j'ai trouvé une super idée. Place de concert pour aller voir Katy Perry. Waouh, pas mal. Ça, c'est un beau cadeau. Ouais, mais génial. Ça où billetterie Sorams Odyssée. Mais attends, mais il y a d'autres trucs chez Sorams, tout le monde le sait, c'est quand même la librairie. Donc moi, je suis fan de bouquins, j'y suis allée et j'ai trouvé le dernier bouquin qui vient de sortir, Tadam. Sochouz. Bon, écrit par une blogueuse, on se refait pas, hein, évidemment. Donc bah tout est répertorié, les plus belles chaussures qui puissent exister. Top. Franchement, tu as des conseils pour voir comment tu peux les porter. Pas avoir mal aux pieds. C'est ça, voilà. Comment choisir tes chaussures pour pas avoir mal aux pieds. Non, c'est parfait. Ça peut plaire vraiment à toutes les nanas. Il n'y a pas trop de chaussures pour hommes, donc. D'accord, ok. Désolée. Du coup, moi, par contre, j'ai besoin de cadeaux pour les vraies filles, quoi. Ah, les filles. Tu t'es adressée à la bonne personne, là. Ouais. Bon, j'ai trouvé un cadeau, mais je crois que je vais le garder pour moi, tu vois. Il est beau, hein. Ouais. Je suis allée chez André, donc ils font pas que les chaussures, ils font aussi les sacs. Il est tout cuir. Et franchement, il est trop beau. Donc bordeaux, la couleur de l'hiver, le petit zip qui va bien, qui te permet d'agrandir ton sac, et la chaînette, quoi. Donc soit tu le portes à l'épaule. Ouais, voilà, en plus, esprit vintage. En bandoulière, j'ai craqué, quoi. Je vais pas réussir à le mettre sous le sapin. Je pense que celui-là, je le garde pour moi. À l'entendre, j'ai l'impression que c'est un auto-cadeau, ça. C'est pour toi, en fait. Je crois que c'est ça, mais il faut savoir se faire des cadeaux. Alors, dans la série accessoires aussi, j'ai trouvé ce petit chapeau en feutrine chez Bérénice. Très sympa. Très beau, ouais. Avec le petit liseré en cuir, les petits clous,
On est en connexion. Connection. On est en connexion. Connecting people. C'est beau, hein. Donc très sympa chez Bérénice. Ouais. Ouais, il est trop là. Bon, autre cadeau fille. Bah, évidemment, moi j'ai choisi que des cadeaux filles. La dernière palette qui vient d'arriver chez Sephora. Donc, c'est une petite marque anglaise qui est vachement sympa, qui s'appelle Sleek, qui fait des palettes de maquillage vraiment pas chères. Très bonne qualité, vraiment la tenue elle est parfaite, bonne pigmentation, très très bon produit et franchement ça va à tout le monde quoi ces couleurs. Non les filles ? C'est la petite sœur de la Naked. Ah ah, bien vu toi, t'es connaisseuse. Bah ouais, mais ouais, sauf qu'elle est beaucoup moins chère. Donc franchement, si vous voulez Naked mais pour un bon prix, foncez. Donc, chez Sephora. Chez Sephora, ouais. Bon, alors moi j'ai trouvé une idée générique. Le blog lifestyle, forcément, c'est le pouf tricoté. Bon, je vous avoue que là, je sais pas trop si je le garde pour la maison ou si je l'offre vraiment à ma tante. C'est en quelle matière ça? Voilà, c'est en crochet, en laisse. Moi, j'ai trouvé un super truc. Moi, c'est chez Darty. C'est le petit cadeau qui va bien, mais ça pourrait être aussi un auto-cadeau, tu vois. Ah, par exemple, tu viens à l'une de mes soirées. Mais je crois qu'on d'accord s'est tous fait des auto-cadeaux. Mais je crois. En fait, tu viens à l'une de mes soirées, ouais. On est ensemble, boum, et on fait un selfie. Ouais. Ok, le fameux selfie, tu sais, le. Hey. Et en fait, ce qui se passe, c'est que t'as la photo qui sort directement, donc tu le recharges et t'as la photo qui sort directement, donc du coup, tu peux la passer à tes collègues à qui t'as fait le selfie. Ah, mais t'as le souvenir direct quoi. Voilà, comme ça, à mon meilleur fan, boum. Non, c'est super sympa. Ouais. Oh, ouais. C'est Fujifilm qui fait ça. Par contre, justement, je voulais parler là. On a parlé maquillage, sac et tout ça, mais vous avez pensé à moi. En tant qu'aventurière, hein, ouais. On a un petit peu discuté, je sais que t'aimes. Oh. Beaucoup les voyages. Un voyage, c'est un voyage. Ouais, ouais. C'est ouais. Un voyage. Ouais, ouais. T'es taré, ouais. C'est vraiment. C'est vrai ? Ouais. Alors, vous avez pas fait ça. Qu'est-ce qui te fait rêver ? Je sais pas, la Tanzanie. Non, la Bolivie. Toi, t'es Uruguay. Uruguay. Ouais. À Noël, tu vas partir dans le Nord-Pas-de-Calais. Ah ouais, c'est exotique ça. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Becca. Merci, merci. Ouais, super. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à tous.